Salut tout le monde, c'est Server09. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un trépied que je trouve super sympathique et super pratique. Donc j'avais envie de vous le présenter tout simplement. Donc je sais que ça fait super longtemps, je sais, hein. Tous les week-ends qui ont passé, là, j'étais occupée, désolée. Mais bon, je crois que c'est pas très très grave. Ça va encore. Voilà, comme je vous expliquais, c'est un trépied donc super pratique. Car il est très très maniable en fait, et vous l'accrochez aux arbres, aux barres par exemple, quand vous faites de la piscine, vous accrochez aux barres, vous savez, des gestuels chelous là. Vous accrochez vraiment partout et c'est super pratique, je trouve. Donc je tiens à dire une chose aussi, c'est que ça c'est une vidéo vraiment qui va durer, je sais pas, 3 minutes à peu près. Il n'y a pas grand chose à dire, mais comme je le trouve super cool et super pratique, je vais vous le faire, je vais vous présenter vraiment très très rapidement. Il coûte pas très cher en plus. Alors, voilà. Donc déjà pour commencer, il fait combien de centimètres? Je sais pas du tout. Par rapport à une PS Vita, attendez. Par rapport à une PS Vita, je sais pas trop. Oh putain, j'ai pas assez de... Pardon, j'ai pas assez de place. Attendez, je vais essayer de... Ça va, voilà. Donc c'est un peu plus petit qu'une PS Vita, donc voilà, donc ça fait à peu près ça. Donc je sais pas combien ça fait de centimètres exactement, mais bon, voilà. Alors donc, comme je disais, c'est de la marque Joby, donc une Joby, pour ceux qui connaissent pas, c'est très, enfin moi je trouve ça vraiment pas mal du tout, ça sort de l'ordinaire on va dire. Donc voilà, donc là qu'on voit qu'il y a un espèce de verrou, attendez, ah oui c'est l'iPhone, ça fait pas de focus direct là. Voilà, il y a une espèce de verrou, déverrouillé et verrouillé. Donc ça, je sais pas à quoi ça sert. Donc là, on voit qu'il est verrouillé, et là, on voit qu'il est déverrouillé. Qu'il est déverrouillé, et là, on voit qu'il est verrouillé. Pourquoi j'ai du mal. Donc voilà. Donc ça, je sais pas vraiment à quoi ça sert, en fait. Hein. Je me suis pas trop renseigné. Je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin bref, voilà. Donc là, on voit qu'il y a le truc pour mettre l'appareil photo. Donc je vais... Voilà, donc là l'appareil photo est mis, donc il bouge pas. Voilà, donc c'est un Canon EXIS, mais bon, ça je crois pas que ça vous intéresse vraiment. Donc en fait, alors sur ce trépied là, vous avez des espèces d'antidérapants sur toutes les petites boules là. Des antidérapants. Et là ici vous avez un truc pour le mettre normal, l'antidérapant ici. Donc ça c'est pas mal du tout. S'il n'y aurait pas ça, franchement, je crois pas que ça marcherait, en fait. Parce que c'est du plastique et ça glisse. Voilà, tout simplement. Après, putain, attendez, juste. Excusez-moi pour les grossièretés, mais bon. Hop, voilà, je l'enlève. Parce que je peux pas trop faire de mouvement. Alors ça, c'est détachable, il y en a aussi. Voilà, c'est assez dur. Celui-là, donc c'est valable pour ceux-là et ceux-là. Et après, j'ai pas essayé. Hop, je le remets. Voilà. Quand vous entendez un petit clic, hein, je pense que vous l'avez entendu. C'est assez bruyant. Donc voilà. Donc en gros, c'est un mini trépied. Pour vous amuser, par exemple, je sais pas. Faire des genre des films quand vous filmez en train de faire de l'airsoft ou des trucs comme ça, je sais pas. Vous faites à peu près ce que vous voulez. Voilà, donc on en a fini pour aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est très très peu, j'en suis désolée. Mais il n'y a pas grand chose à dire finalement sur ce trépied, pardon. Joby. Donc qui coûte aux alentours de 20 euros. Voilà, donc vous le trouvez à la Fnac ou dans d'autres magasins commerciaux comme ça. Enfin, voilà. Donc je vous dis à la prochaine, likez, faites ce que vous voulez. Et je vous dis salut tout le monde et c'était Server09. Tchuss.